Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous propose un tout nouveau concept sur cette chaîne. Ce nouveau concept de vidéo, ça s'appelle Couleur Gore. Couleur gore, pourquoi? Parce que je suis un gros fan de films d'horreur, de films bien gore, de films bien vénères, les premiers films de Peter Jackson ou de Sam Raimi par exemple, même la saga des Saw, des Vendredi 13, des Freddy, tout ça. Voilà, je suis un gros malade de tout ça depuis très 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 longtemps. Et évidemment, j'aime aussi beaucoup les jeux d'horreur, notamment la série des Resident Evil, comme vous le savez, j'en parle souvent beaucoup. C'est une de mes séries de cœur, mais pas que, et j'aime beaucoup les jeux très très gore, très violents, qui font flipper, qui mettent du sang partout, en gros qui tâchent, et qui font mal. Comme vous le savez déjà, si vous aimez la chaîne, j'aime déjà beaucoup les jeux bien bourrins, les films d'action, les trucs qui fusillent de partout, et ça j'en parle avec amour dans l'échelle de Rambo, que vous pouvez voir ici. Donc plutôt que tout mélanger dans l'échelle de Rambo, je me suis dit que j'allais faire un autre format pour parler des jeux d'horreur et des jeux gore notamment, des jeux qui en général ne sont pas très bien aimés par les critiques. Le gore c'est plutôt mal vu, c'est plutôt vu comme quelque chose de bourrin. Moi je vais vous en parler avec amour dans cette rubrique là. À chaque fois, il y aura un jeu qui sera donc testé en long, en large et en travers. Donc on va démarrer tout de suite pour cette première avec un jeu que j'avais beaucoup kiffé, qui a été matraqué à sa sortie, comme vous pouvez le voir ici. C'est pour ça que ça se rapproche un petit peu de l'échelle de Rambo. Ce jeu donc c'est Splatterhouse dans sa version reboot, à ne pas confondre avec les versions originales sorties dans le temps, qui est un jeu développé par Bottle Rocket Entertainment, qui malheureusement n'existe plus maintenant, j'ai été vérifié, et édité par Namco. Qui vient... I can help you. I can heal your wounds. We can save her if you show me some faith, if you trust me, if you put me on. Alors, si vous connaissez pas Splatterhouse, avant de passer au test en bonne et due forme, je vais vous faire un petit rappel de la licence. Comme je l'ai déjà dit, c'est un reboot, cette version-là, qui est sortie en 2010. Avant ça, dans les années 80, on avait eu des jeux, trois jeux pour être exact, même un quatrième que j'ai jamais fait, qui était une version plus enfantine du personnage de Splatterhouse. Donc ces trois jeux-là, on a pu y jouer soit sur arcade, soit PC Engine, ou comme c'est mon cas, sur Mega Drive. Bref, c'était des jeux assez cool. En scrolling horizontal, du beat'em all pur et dur, on avait juste des coups de poing, on pouvait sauter ou mettre des coups sautés. La particularité du jeu, en plus d'être très gore, évidemment, ça reprenait le personnage de Jason Voorhees avec ce masque de hockey qui tabassait tout le monde. Ben, on avait des armes qui permettaient d'éclater les ennemis, les envoyer sur les murs. On avait des boss qui reprenaient les codes des films d'horreur, c'était gore, il y avait du sang vert de partout. Bref, c'était rare de voir ce genre de jeu sur console 16 bits ou même en arcade, et donc c'était un vrai plaisir pour les fans d'horreur comme moi. Très gros point fort de ce Splatterhouse 2010, quand vous aurez fini le jeu, vous aurez débloqué les trois premiers Splatterhouse en version rétro, directement jouable depuis la galette. Le premier Splatterhouse que j'avais découvert donc en arcade a plutôt bien vieilli techniquement parlant, même si personnellement je trouve beaucoup trop dur, j'ai toujours galéré, c'est un mange-pognon de fou. Le 2, qui est mon épisode préféré, évidemment, parce que c'est celui que j'ai découvert la série sur Mega Drive avec, et j'ai joué des heures et des heures, même si encore une fois c'était très dur et c'était une vraie galère à aller plus loin que le niveau 3 ou 4. Heureusement, on avait des mots de passe pour tricher un petit peu. Et enfin, on avait le 3 que j'ai découvert beaucoup plus tard sur émulateur. J'étais passé complètement à côté sur Mega Drive parce que la cartouche coûtait très cher en import, donc j'avais pas pu le trouver. Celui-là mélange un petit peu de jeu d'aventure, donc on va se balader dans le manoir, on va ouvrir des portes, il y a un peu plus de combos possibles. Il est vraiment très cool, c'est celui que j'ai joué le plus en rétro là, même si encore une fois c'est assez difficile. Arrivé au niveau 2. Donc maintenant commençons donc ce test de Splatterhouse édition 2010. L'histoire donc c'est celle de Rick, laissé pour mort après le kidnapping de sa fiancée Jenny par le docteur Henry West, tout droit sorti de Reanimator, qui est une nouvelle donc de H.P. Lovecraft et une excellente adaptation en film par Stuart Gordon. Il est possédé par un masque aztèque qui lui donne la puissance d'une brute épaisse et le physique de Hulk, et qui va lui permettre d'aller retrouver Jenny avant qu'elle soit sacrifiée aux dieux anciens par le docteur West. Le scénario, il est prétexte film d'horreur comme on a l'habitude de voir, mais il est très sympa à suivre, il est bourré de références à Lovecraft comme je l'ai déjà dit. Il y a un peu aussi de références au cinéma, notamment au film The Wicker Man, dont je vous conseille le remake avec l'excellent Nicolas Cage qui file un moment un front kick à une gonzesse. Absolument magnifique. Il n'y a pas énormément de cinématiques, mais les prétextes à nous envoyer dans d'autres dimensions, à faire visiter un petit peu tous les coins de la maison dans différentes époques, et c'est assez plaisant à suivre, même si évidemment, ça réinvente jamais l'eau chaude. Le gameplay quant à lui, le cœur du jeu évidemment, bah là on est dans un beat'em all 3D ultra classique, avec coups faibles, coups forts et prises. Le jeu propose néanmoins un panel assez large de combos divers et variés,
qui sont évidemment liés à un tableau d'amélioration pour lequel on pourra débloquer les compétences et améliorer notre personnage via les litres de sang qu'on récupérera en tuant les centaines d'ennemis qui peuplent les niveaux du jeu. Il y a une jauge de combo également qui permet d'envoyer des coups spéciaux ou de récupérer de l'énergie. C'est le seul moyen pour récupérer l'énergie. Il n'y a pas du tout d'auto-regen, il n'y a pas d'objet à ramasser. Il va falloir à chaque fois utiliser la compétence qui permet de pomper du sang à l'adversaire, sans mauvais jeu de mots. En plus de ça, on pourra évidemment profiter d'une transformation qui transformera Rick en bête féroce, quasiment invincible, et qui découpera les ennemis avec les os de son corps en excroissance. Jeu gore oblige, il propose un système de fatality tout droit sorti de Mortal Kombat qui permet de tuer les ennemis de façon grotesque et absolument géniale. Démembrement, arrachage de poumons en passant par la gorge, chaque découvert est du pur bonheur. La palme allant à cette espèce de triton géant qui se prendra un fist fucking anal avant de trépasser. On profite également d'une très grosse palette d'armes, allant du tuyau de métal collant les ennemis contre les murs, au bras arraché servant de matraque, jusqu'au shotgun surpuissant. Le jeu propose des affrontements hyper violents, gore à l'excès et jouissifs contre des dizaines d'ennemis qui nous encerclent et nous tombent dessus de tous les sens. C'est du bonheur à l'état pur, c'est gore de partout, on finit avec des mares de sang, des poumons à gauche à droite, des têtes qui gigotent, des bras qui tombent. C'est vraiment super kiffant, super jouissif. Et après une grosse journée de boulot, ça fait vraiment plaisir à imaginer les cons qu'on a croisés toute la journée se faire démembrer de cette façon. La difficulté, elle est un petit peu abusée pour un premier run en normal. Donc je conseillerais plutôt de commencer en mode facile. Surtout que le jeu comprend directement une nouvelle partie plus qui permet de commencer la partie suivante avec les améliorations déjà débloquées. Au niveau du level design, il est très simple et pousse constamment en avant. Évidemment, il est rempli d'arènes à vider. Que ce soit en tuant tous les ennemis à l'écran ou en passant par des mécaniques simples comme empaler des ennemis sur des pics ou nourrir des bouches géantes. Le jeu casse néanmoins régulièrement sa linéarité, notamment via des passages en 2D rendant directement hommage aux opus d'origine et qui permettent de diversifier un petit peu l'action, notamment via les pièges ou certains passages de plateforme. Quelques passages de plateforme en 3D ultra simplistes ou des fuites sur des éléments destructibles ponctuent un petit peu les niveaux, permettant de diversifier un petit peu l'action pour éviter trop de redondance dans l'action. La plupart des niveaux d'ailleurs se ponctuent par des combats de boss, souvent gigantesques, bien dégueulasses à souhait, pas trop difficiles en mode facile, et qui permettent de se défouler bien comme il faut dans des affrontements qui, à défaut d'être très marquants, permettent de finir le niveau en beauté. Pour ceux qui en veulent toujours plus, le jeu propose également 6 arènes en mode survie à débloquer, qui vous permettront là de faire du scoring et de tabasser les ennemis en profitant de tout ce que vous aurez déjà débloqué dans les niveaux solo avant. Pour parler un petit peu musique, la BO en elle-même reprend la tonalité des classiques du film d'horreur. C'est plutôt réussi, l'ambiance est là, l'ambiance sonore, on entend bien les gouttes de sang un petit peu partout, les râles des ennemis, tout ça c'est très bien foutu. Malheureusement, pour les gens comme moi qui n'aiment pas vraiment le métal, on aura du death metal qui nous sera craché dans les oreilles pendant les combats de boss. Ceux qui aiment vont être aux anges, ceux qui comme moi n'aiment pas trop vont plutôt mettre mute à ces moments-là. Techniquement parlant, le jeu a pas trop mal vieilli d'un point de vue artistique, le gore poisseux s'accorde parfaitement avec la réseau sub-HD, et le fait que le jeu soit en cel shading, c'est quand même une technique qui vieillit plutôt bien, notamment pour la modélisation des personnages qui gardent leur côté cartoon. Évidemment les textures sont cracra, il y a plein d'aliasing et les couleurs bavent de partout, mais franchement on s'en fout parce que quand il y a le sang qui recouvre les trois quarts de l'écran, on n'y fait évidemment plus du tout attention. Le framerate lui par contre est catastrophique, le jeu semble difficilement tenir les 25 fps et il se permet même des chutes constantes de la première à la dernière minute des 8 heures que dure l'aventure. D'un point de vue mongol, on soulignera les menus d'une très rare laideur, notamment le menu d'introduction avec ce monstre qui vous gémit dans les oreilles en attendant que vous appuyez sur le bouton start pour qu'il se prenne une mandale en pleine face. Splatterhouse me permet également d'inaugurer une nouvelle séquence, la séquence Le Petit Cochon. La séquence Le Petit Cochon, c'est quoi ? Le nom est plutôt clair, c'est tout ce qu'il va avoir à faire au cul dans un jeu vidéo, évidemment. C'est vrai qu'on sait que si la violence n'est clairement pas un problème dans les jeux, on tue des gens à longueur de journée. Dès qu'il s'agit de montrer un petit peu de nichon, là les développeurs sont beaucoup plus timides, ils hésitent souvent et quand ils le font, c'est souvent de façon assez maladroite. Ce qui est donc le cas dans ce Splatterhouse, les collectifs du jeu sont des bouts de photos déchirés,
directement tiré du portefeuille de Rick, et ces photos déchirées là, c'est des nudes de sa fiancée Jenny. Donc quand vous aurez à chaque fois récupéré à chaque niveau tous les bouts d'une photo, vous aurez le droit de profiter de ce nude excellent de Jenny, assez gênant évidemment, et qui nous fait dire en plus que Rick est un sacré salopard de se balader avec des nudes de sa copine partout avec lui. Les plus affamés d'entre nous auront au moins une motivation pour refaire les niveaux en boucle jusqu'à les trouver toutes. En conclusion donc, Splatterhouse, c'est un bon 9 sur couleur gore, ce qui correspond donc à Jason Voorhees, totalement justifié par le personnage qui lui reprend les codes de cette série-là. C'est un super jeu, vraiment, on s'éclate dedans. Si vous aimez un tant soit peu les beat'em all, celui-là est pour moi le chaînon manquant plutôt cool entre les jeux beat'em all trop arcade, c'est-à-dire vraiment avec deux boutons où on n'a pas d'évolution du gameplay, et ceux trop compliqués où on a des combos à ne plus savoir qu'en faire, et si on ne gère pas la parade, on est mort. Là, il y a un peu de tout ça, vraiment, on est dans du beat'em all plus proche de God of War, effectivement, mais avec des points, pas avec des armes blanches. Donc moi j'ai vraiment kiffé, j'ai adoré refaire tous ces niveaux, j'ai adoré me balader dans le temps pour aller tabasser des monstres, les attraper tous les deux par les pieds pour les exploser au sol d'une gerbe de sang, arracher la tête de l'un pour gifler l'autre avec, tout ça, moi c'est des moments qui m'ont fait vraiment plaisir, et c'est vraiment le jeu parfait pour commencer ce couleur gore, parce que évidemment, ça en met partout, on s'éclate dessus. Il vieillit très bien en 2021, même si le jeu n'est pas rétro-compatible, donc du coup si vous voulez jouer, ça se passera sur Xbox 360 ou sur PlayStation 3, je crois que le jeu en plus n'est jamais sorti sur PC. Avec les défauts techniques, évidemment, qu'on aura de ces deux consoles-là, framerate de merde, résolution de merde sur un écran 4K, mais honnêtement, c'est pas très grave. Après quelques minutes à se réadapter, on kiffe dessus, on tabasse tous les monstres et on prend 8 heures de pur plaisir dans la face. Voilà, j'espère que ce premier épisode de Couleur Gore vous aura plu autant qu'il m'a plu à faire. N'hésitez pas à laisser votre avis sur la vidéo ou sur le jeu en commentaire, ou alors sur twitter.com/crazybusemi, comme ici c'est pareil. Si vous avez aimé la vidéo, pouce bleu, c'est toujours très sympa et ça fait plaisir. Pensez à vous abonner, activer les notifications, n'hésitez pas à retweeter, partager la vidéo, en parler. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Je vous dis à la prochaine, longue vie à tous. Salut! Wait, I know this guy. Yeah, we are screwed.